Salut, salut! Bienvenue à toutes et à tous sur Another Homepage. Comme toujours, je suis Niels et on se retrouve pour un nouvel épisode du jeudi qui consiste à faire de la comparaison de Firewall. Et si vous avez entendu juste un bip et pas de musique, c'est tout à fait normal puisque ce soir... Je vous avoue que ça m'a un peu lassé ces derniers épisodes de soucis de musique. Et ce soir, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc ce sera sans musique. Alors je sais que ça va être un petit peu spécial niveau ambiance. Mais j'espère que ça passera malgré tout. Et j'espère pour les prochaines vidéos vous proposer quelque chose d'autre. Juste le temps que je cherche. Et puis ça change un peu. Salut Xavier, j'espère que tu vas bien, moi ça va, j'espère que t'as passé une bonne journée. Bon, cool que au moins ça ne t'embête pas trop qu'on fasse sans musique aujourd'hui. Salut à toi The Vengeur, j'espère toi aussi que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Alors je vous avoue qu'en ce moment, c'est chaud, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'il fait chaud. Voilà, bah, The Vengeur, moi aussi j'ai chaud, et c'est pour ça que vous avez entendu le bip du Home Lab, puisque je viens tout juste de l'allumer, et donc je n'ai pas vraiment fini de préparer, alors préparer c'est un bien grand mot, mais en gros de mettre en place le setup de ce soir. J'ai essayé de lancer le bouton stream assez rapidement, donc j'espère... Oh, il est 20h06, donc ça va, je ne suis pas trop à la bourre. Mais l'idée, c'était au moins de pouvoir lancer le stream le plus proche possible de 20h pour qu'on soit tranquille, j'ai envie de dire entre nous, que je puisse vous accueillir pour ce soir. On te voit tout ce retard. Ouais, non mais je... c'est pas évident. C'est pas évident. Avec la chaleur, j'allume les machines au dernier moment. Je vous avoue que mon PC fixe ne sert d'ailleurs quasiment plus qu'à ça, il ne sert qu'au stream. Quand j'ai besoin d'utiliser un ordinateur personnel, je prends en priorité un ordinateur portable. Alors, hop, New Marvin. Salut Loupixel, bienvenue, j'espère que tu as passé une bonne journée, j'espère que tu vas bien. Donc, on se retrouve pour un dernier épisode de comparaison de Firewall. Alors je dis dernier épisode parce que normalement, ça devrait être le dernier. Il y a 2-3 bricoles que j'aimerais voir, et avant, je vais quand même vous détailler un peu, au moins faire un léger résumé des épisodes précédents, on va dire. Le son est décalé avec l'image. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas dit qu'il y avait un problème de décalage son et image. Alors, sans doute que ça se remarque plus parce qu'il n'y a pas de musique. Pour The Vengeur, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est cool. Loupixel, dans ce cas-là, je peux éventuellement te recommander, si Twitch te laisse le faire, de baisser la résolution. Alors normalement, moi je stream, je stream en 720p, j'enregistre en 1080p, mais normalement, vous pouvez peut-être même passer en 480, ce qui sera amplement suffisant. Si jamais les serveurs de transcodage de Twitch ne sont pas surchargés, l'option devrait être disponible. Je vais vous partager mon écran, comme ça au moins. Hop, voilà. Donc là, en gros, ce que je suis simplement en train de faire, c'est que je viens de me connecter à mon hyperviseur via Virtual Machine Manager. Donc là, vous voyez, il y a tout un paquet de machines virtuelles que vous n'arrivez pas à lire. Mais... si je me connecte sur la machine en SSH, voilà, là avec le terminal en SSH, vous allez y voir un petit peu plus clair. Et si je fais un petit sudo vir SSH
Non, pas vir sh. Vir sh list. Voilà. Vous voyez qu'il n'y a aucune machine virtuelle de lancer. Et si je fais un moins moins all, là, vous voyez qu'il y a tout. Alors, on avait dans les machines. Forcément. Voilà. Il nous faut démarrer celle-ci et celle-là. Allez. Allez, sudo vir sh. Start celle-ci. Oh, la GUI, non, c'est pas pour les faibles. C'est pas pour les faibles. Il y en a pour tous les goûts, donc n'allons pas nous. D'ailleurs, vous voyez, il est passé en ID 1 et il est en state running. Hop. On démarre celui-ci. Voilà. Et on me fait signe dans l'oreillette que quelqu'un d'autre a vérifié aussi, il n'y a pas de décalage. Ouf. Tu trolls, tu fais principalement de la VM en GUI. D'ailleurs, en parlant de GUI, il y a un truc que j'aimerais bien tester à l'occasion. C'est un logiciel de virtualisation, alors pas pour Linux, pour macOS, et qui s'appelle UTM. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous ici sont sous macOS, mais... Il se trouve que moi, j'ai un vieux Mac. Enfin, j'ai deux vieux Mac. Bon, d'accord, j'en ai un peu plus que deux, mais bref. Toujours est-il que j'ai juste eu le temps d'installer le logiciel, puisque le logiciel est en fait... alors, il est gratuit si on le récupère sur leur site. Par contre, si on le prend sur l'App Store, il faut payer, je crois. Je voulais lancer PFSense aussi. Virtual Buddy, ça ne me dit absolument rien. On avait dit PFSense, OpenSense, hop. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? IPFire et DinFi. Alors, DinFi, hop. Et IPFire, hop. IPFire, voilà. Bon, j'en ai un peu plus que deux. Bon, je suis revendeur. Non. En fait, pour l'anecdote, j'ai, pour vous faire le listing, je possède 3 MacBook Pro et 2 e-book G4. Voilà. Techniquement, j'ai 5 Mac. Mais honnêtement... sur les 5, il n'y en a réellement que, on va dire, 2 qui sont utilisables au quotidien. Encore qu'il y a un MacBook Pro que je pourrais tenter d'utiliser, mais de vous à moi, la machine est quand même... remarque, ça pourrait être une idée, ça. Tenez, j'ai autant de Mac que carte réseau, normalement. Pas mal, ce vengeur, pas mal. Pas mal. Tu vas pouvoir t'asseoir au banc des remplaçants de ma... Tu peux faire partie de l'équipe. Tu peux faire partie de l'équipe. Bravo. Elle est pas mal. Non, mais en fait, ça me fait penser, puisque je parlais de vieilles... De machines utilisables, en gros. Où est-ce que... Alors, faut que je retrouve le lien. Et je vais ensuite vous le mettre sur le chat. Et salut Seb, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une excellente journée. Et que tu n'as pas trop chaud. Hey, merci pour le follow, Kunglao. Merci à toi. Alors Xavier, je suis complètement d'accord de cette manière de recycler les vieux Macintosh. Hop, un truc dont je voudrais vous parler. Alors, je ne sais pas si je le ferai, mais je trouve toujours cette initiative super instructive, super intéressante. Et je vais vous copier-coller le lien sur le chat, bien entendu. Tenez, je vais même le mettre sur Discord. D'ailleurs, ce sera l'occasion. Qu'est-ce que j'ai fait du Discord? Il est là. Hop, je vais vous le mettre dans le lien du live. Donc, le Discord, si jamais vous avez envie de le rejoindre pour qu'on papote entre deux streams, eh bien, c'est très simple.
pour cela, eh bien, pour cela, il suffit soit de jeter un œil au lien ici, sinon, en dessous, sur Twitch, vous avez normalement l'interface. Et comme vous l'a montré Xavier, vous pouvez aller sur ma page perso, anotherhomepage.org, dans laquelle vous retrouverez tous les liens vers mes réseaux sociaux. Alors, donc, The Old Computer Challenge. C'est un challenge qui est fait par une personne fort sympathique qui s'appelle Solène. Et il se trouve qu'en gros, elle a lancé il y a quelques années un premier challenge qui était le challenge du vieil ordinateur. Et en quoi consiste ce challenge? J'ai envie de dire, c'est un peu marqué dessus. L'objectif, c'est de réussir à utiliser une machine, une ancienne machine, pendant une semaine. Alors je sais, je dérive un peu du sujet de ce soir, mais après ça, on passera vraiment au sujet principal. En gros, l'idée derrière ça, c'est aussi d'être un peu plus, quelque part d'être un peu plus conscient de la puissance qu'on pouvait avoir il y a quelques années, d'être conscient des usages qu'on fait aujourd'hui. C'est assez intéressant. Donc ce qui est marrant, c'est d'utiliser un ordinateur lent pendant 7 jours. Vous avez grosso modo le choix au niveau hardware. Néanmoins, vous devez limiter votre ordinateur à certaines choses. Un seul cœur. Et quand je dis un seul cœur, c'est un seul cœur, un seul thread. Hein. Donc on désactive l'hyper-threading hein, aussi. On limite la mémoire à 512 mégaoctets. La mémoire vive. Donc imaginez un ordinateur avec un processeur 1 cœur et 512 mégaoctets de RAM et de descendre la fréquence au minimum possible. Ben oui, c'est ça. Même un Raspberry, c'est plus gros. Alors, ça dépend. Ça dépend. Un Raspberry Pi V1, ça passe. Un Raspberry Pi V2... un Raspberry Pi V2, je me demande si les V2 n'ont pas déjà 1 gig de RAM. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, si vous utilisez Linux, le post de blog indique des options. Donc vous pouvez mettre max core égale 1 dans la ligne de commande du boot, et vous pouvez faire un data size max à 512. Ah non, c'est le même à 512 MB. Le fait d'utiliser ce qu'on appelle les governors avec le frequency governor. Alors, par exemple, alors bien entendu à 512 mégas de RAM vous pouvez pas utiliser GNOME, mais vous savez peut-être que dans GNOME, si vous allez cliquer sur le menu en haut à droite, vous avez un truc power mode et vous pouvez mettre différents modes. Moi d'ailleurs, hop, le mien est bien en balanced. Mais par exemple, si vous avez la commande CPU Power qui est dispo, vous pouvez faire ça. Et là, vous pouvez voir que moi, là, sur le Home Lab, grâce au Frequency Info, vous voyez que la machine, là, elle est actuellement à 2,5 Go, mais que je peux la descendre à 1,2 Go. Et qu'il y a un governor performance, mais qu'on peut aller à... conservative, power save, ce genre de choses-là. On peut même aussi, via CPU power, on peut carrément lui dire, peu importe le gouverneur, enfin le gouvernail plutôt, de performance, on peut lui dire, mets-toi à la fréquence à 1 giga 2. C'est ce que je faisais sur l'ancienne itération du Home Lab, où je lançais une commande, d'ailleurs je dois toujours l'avoir quelque part, 2, 1, 2, 3, voilà, c'était ça, je bloquais la fréquence à 2 GHz, je lui disais tu vas pas plus haut, par contre tu vas pas plus bas, faut pas exagérer. Salut à toi FixLab, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée et que tu n'as pas trop chaud. Donc, il y a eu une première itération qui était dans ce style-là, et une deuxième itération de ce challenge qui était à se limiter l'accès à Internet à 60 minutes par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que aujourd'hui, on a Internet dans la poche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est aujourd'hui dans une ère de l'Internet illimité.
Enfin, moi, je crois que je n'ai. Ça doit faire plusieurs années que je n'ai pas atteint la limite de data sur mon forfait. Je ne suis même pas sûr de pouvoir vérifier. Tiens, juste pour la blague, je vais prendre un instant. Est-ce que moi j'ai l'appli de mon. Hop, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas ouverte. C'est impossible, tes streams, c'est 2 heures déjà. Alors, The Vengeur, ce qui est intéressant, c'était à l'époque où ils avaient fait ça, c'était de dire on se limite l'accès à Internet à 60 minutes par jour à titre personnel. Si tu as besoin de l'Internet pour travailler, pareil dans le cas du Old Computer Challenge, c'est une machine perso. Tu vas pas aller te mettre en danger pour ton boulot juste pour un challenge. C'est quand même. Enfin voilà. Le principe, c'est de dire, voilà, à titre perso. Et c'est vrai que ces limites-là, que ce soit le 60 minutes par jour ou les limitations à 512 MB de RAM comment dire, et un CPU, un cœur, très clairement, je ne peux pas streamer dans ces conditions. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs que je ne fais pas le challenge. Hein. Je sais pertinemment que, à moins de me dire, les streams sont une exception. Honnêtement, c'est juste pas possible. Néanmoins, ça pourrait être marrant. Je sais pas quand est-ce que c'est cette année, tiens d'ailleurs. C'est à partir de quel. Ce sera du 12 au 18 juillet. Et il y a même, je crois, un canal IRC. Voilà, il y a un canal IRC sur Libera Chat. Si jamais vous voulez rejoindre le canal IRC, vous pourrez dire coucou aux gens de ma part. Et en gros, l'idée, voilà, c'est de se rendre compte un peu de ce que ça donne aujourd'hui, de se retrouver avec des machines aussi peu performantes. Ça colle avec la période de forte chaleur, parfait. Bah oui, forcément. Alors attention à ce que vous utilisez, hein, parce que hein, les Pentium 4, les Pentium 4 d'une certaine époque avaient tendance à chauffer pour un rien. Bref, toujours est-il que, voilà, c'est un petit challenge intéressant. Si jamais certaines ou certains d'entre vous le font, n'hésitez pas à en causer. Moi, ça m'intéressera de lire vos rapports, vos retours d'expérience. Je serais pas contre, pourquoi pas, selon comment ça se goupille au niveau des streams, au niveau d'autres choses, pourquoi pas passer un stream à voilà, à essayer de mettre en place une machine avec ces specs-là et de voir qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Salut à toi Little Pif, j'espère que tu n'as pas trop chaud, j'espère que ça va et que tu as passé une bonne journée. Bien. Voilà, hop, ce petit passage étant terminé, nous allons. Alors, Firewall test client, hop. Nous avons. Display output is not active. Ah, bah si, il est actif, voilà. Scale display always, nickel. Hop, alors, normalement, c'est bien password. Oui, ça se traîne, mais oui, voilà. Parfait. Hop. Tu as quelques collègues qui ont migré en full NFTables pour des firewalls en VM à l'échelle d'une université. Je peux aller pêcher des stats si ça a un intérêt. C'est fort instructif. Je suis curieux de savoir s'ils ont utilisé NFTables en direct ou s'ils ont utilisé un front-end. Parce que y a un truc qui est marrant, c'est en direct. Ah ouais, j'avais cru voir un truc assez intéressant. Je crois que c'est chez Debian. Si je tape Debian NFTables. Alors vous me direz, c'est. Voilà, sur le Debian Wiki, ce qui est assez amusant, c'est que leur recommandation, c'est d'utiliser un wrapper. Voilà, je disais un front-end, c'est d'utiliser un wrapper. Les front-ends, c'est comme la GUI, c'est pour les faibles. D'utiliser un wrapper au lieu d'écrire ses propres scripts de firewall. Et Debian recommande FirewallD. Historiquement, celui que je connais le mieux était en Stormshield. Ils ont scripté la conversion. Ah, pour du NFTables. Ah, d'accord. Ah oui,
Ah, tu veux dire pas juste les firewalls sur des serveurs virtuels, mais carrément des machines qui faisaient vraiment coupure entre deux réseaux. Ok. Ah ouais, carrément le firewall de. Ah ouais, ok. Ah, c'est. Ah, je suis intéressé, parce que pour le coup. J'aime beaucoup. Je connaissais la syntaxe IPTable. Est-ce qu'il y a une nouvelle syntaxe dans NFTable? Oui, mais elle est meilleure. 6 ou 7 pattes, car Wi-Fi, VPN, filaire étudiant, personnel, Internet. Ah oui, ça fait un sacré. Et c'est vrai. Je dois avouer que je ne me suis vraiment pas penché dessus. Forcément, le firewall sur mes machines perso, c'est devenu du NFTable. Pour une raison très simple, c'est que justement, le back-end de Firewall-D, c'est NFTable maintenant sur Fedora. Et donc, j'ai une. Je suis forcément. J'utilise forcément NFTable. Je sais même pas si je peux vérifier en faisant. Alors, je veux pas faire. Si je fais. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, là, ils font des effacements. Ils font pas des petits checks de. Oui, c'est assez cool qu'une université utilise des logiciels. Ah, NFT list rule set. Voilà, super. Merci, merci Ludopif. Sudo NFT list rule set. Hop, voilà. Alors là, je vous montre rien de particulier. Hein. C'est sur le Home Lab, donc en gros, vous voyez qu'il y a des trucs particuliers, notamment avec les interfaces, ce genre de choses-là. Voilà. Donc voilà, je suis de facto passé en NFTable. Alors. Oui, on verra plus tard. Software ready to install. Tiens, d'ailleurs, je suis sur quel. Vous vous rappelez qu'on avait fait Mumuse avec la table de routage. Si je me fais un IPR 180.1.1. Ok. On va aller vérifier que nos firewalls sont tous allumés. On commence avec. Alors, IPFire 4. Ok. DinFi qui doit être 3. Hop. OpenSense qui doit être 2, hop, et PFSense qui doit être 1. Donc on sort par le PFSense. Ok. Alors déjà, a priori, il a vérifié que on était à jour. D'accord. Lui, si je fais click to check, est-ce qu'il y a des updates qui sont arrivés entre-temps? Ah oui, il y a des mises à jour. On a une 23.1.9. On a une 23.1.9. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appliquer, les mises à jour, hein, tant qu'à faire. Ça permet de voir un petit peu la tête. Alors, til petit happy, c'est mes ploches pour 23.7. Donc, a priori, ah non, ouais, la prochaine mise à jour, entre guillemets, majeure de OpenSense, ce sera au mois de juillet, si j'en comprends leur charte de nommage. Voilà, donc on a quoi dans les mises à jour? Bon, c'est vraiment des trucs sous le capot, hein, en fait. Mais on a notamment une mise à jour d'OpenSSH, mise à jour du serveur web, mise à jour de EasyRSA, donc qui permet de générer des certificats, des petites mises à jour de Python, de SysLogNG. Trop hâte de la mise à jour IPFire. Mais écoute, on sait jamais, il y a peut-être une mise à jour. Ah tiens, on va d'ailleurs aller regarder aussi du côté d'InFi. Click to view pending updates. Alors, est-ce que eux, ils ont lancé des mises à jour aussi? Eh bien oui, il y en a. Mais on a juste PHP 8.1 OpenSense Core. 22.7. 22.7? Ok. Bon, on va lancer la mise à jour. Je suspecte que DinFi ait un train de retard sur OpenSense. Entre guillemets. Enfin, quand je dis un train de retard, parce que eux, s'ils utilisent le même. S'ils utilisent. Enfin, DinFi a son propre numéro de version qui n'a pas l'air d'être un copier-coller de celui d'OpenSense. Mais s'ils parlent d'un OpenSense Core à 22.7
Alors que ici, on est en 23-1-9. Ce lien avec la SNCF, c'est pas surprenant. Oui, effectivement. Le train de retard, ouais, tu m'étonnes. Ah, je sais pas s'il y a la garantie 30 minutes par contre, hein. La G30. Et voyons un peu la tête de IP Fire. Oh punaise, alors le truc en rouge, moi ça me. Remarque, c'est un moyen de dire, hey, attention à ce que tu vas faire. Là, tu risques des trucs si tu fais des bêtises. Tu risques des coupures. Status système. Non, là on est sur du graphe. Firewall. Non plus IP Fire, Pack Fire. Système status, voilà. Refresh list. Pack Fire has finished. Alors. En fait, ce qui m'embête, c'est que là, j'ai même pas compris. J'ai même pas compris s'il a fait des mises à jour. Vous avez compris, vous? On remarquait last update made il y a 55 jours. Last server list update 7 secondes. Salut silence des agneaux, comment ça va? Last core list update, package list. Ok, donc a priori. Est-ce que c'est facile de prendre en main Terraform? Prendre en main, je trouve que ça va. Après, ça dépend aussi dans quel environnement. Mais globalement, j'ai finalement, enfin en tout cas sur les bases, ça ne m'a pas trop fait peur. Ok, ça c'est des add-ons qui sont en plus. Ok. Bon, donc a priori, on n'a pas de mise à jour pour IP Fire. Donc quand même, sur 4 firewalls, on en a 2 où il n'y a pas de mise à jour. Relancer le truc pour le principe, mais. Alors là, par contre, ce qui manque Kikin, c'est qu'il a dit. C'est quoi le plus relou, le truc le plus relou selon toi en sysadmin? Oula! Ouais, je suis assez d'accord avec toi, The Vengeur. Facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. Les utilisateurs. Alors, moi, aujourd'hui, honnêtement, sur de l'administration système, les domaines qui me posent le plus de problèmes, ce seraient les bases de données. Je manque de compétences en bases de données. Et peut-être un peu le stockage. Mais après, ça, c'est parce que, en ce qui me concerne, moi, ce sont, entre guillemets, mes deux, quelque part, mes deux points faibles sur l'administration système. Les bases de données et le stockage. Salut à toi, The Jeu 2. J'espère que tu vas bien. Parce que je ne pratique pas tous les jours. Ben c'est surtout que, en fait, pendant un bon moment, je me suis retrouvé sur une plateforme. Sur une plateforme où en fait on avait entre guillemets réussi à ne plus avoir besoin de serveurs de base de données. Donc forcément je ne pratiquais rien en termes de base de données. Donc quand tu dis que c'est parce que je pratique pas toujours, effectivement ça a quelque chose de ça a un fond de vrai. Puisque pendant le truc le plus fun. Les users, non, non. Les users, franchement, ça dépend parce que en fait, moi, étant donné que j'ai principalement fait de l'administration de serveurs web et de plateformes web,
enfin de plateforme de type site web. J'avais et donc bah, fatalement j'ai jamais fait de trop de Microsoft. Donc on peut dire que AD c'est pas dans mes compétences non plus. Ça fait partie de mes manques, mais ça ne me manque pas entre guillemets. Salut Nidouille, merci beaucoup pour le sub, c'est très gentil. Merci beaucoup. Nidouille qui d'ailleurs va démarrer son stream dans 25 minutes. Nous on en profite, on fait la première partie. Oh, 4 mois consécutifs. Nidouille, t'es adorable, merci tout plein. Où est-ce que j'en étais? Ouais, donc en fait finalement les utilisateurs, bah, quand on administre un site web et que de toute façon il y a les utilisateurs quelque part, on les côtoie pas. Ce sont les visiteurs du site web. Alors effectivement, le truc le plus proche des utilisateurs, c'est éventuellement les gens qui s'occupent de maintenir le code du site et qui, eux, ont probablement des retours. Et effectivement, dans le cas où on est, par exemple, chez un hébergeur, les clients, bien entendu, sont ce qu'on a de plus proche. Mais pareil, j'étais rarement en contact client. Généralement quand j'étais en contact client c'était pour des trucs vraiment touchy et aussi ou alors que c'était vraiment à la galère et qu'il y avait eu une escalade. Merci The Vengeur pour le sub avec Prime, merci, ça c'est super chouette à vous. Non, je ne suis pas freelance, je suis salarié. Alors pour l'instant je ne préfère pas dire chez qui je travaille. Mais disons que dans le passé, j'ai travaillé chez un hébergeur infogérant et j'ai travaillé aussi chez un comment dire, chez l'un des, on va dire, 10 sites internet les plus regardés d'Île-de-France. Dans le domaine du transport en commun. Bon, bah, faut ce qu'il faut. C'est très gentil, The Vengeur, merci beaucoup. Bon, alors, où est-ce qu'on en est? Disneyland. Non, pas Disneyland. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu en termes d'actualité les actualités à propos de Disneyland. Ah tiens, c'est bizarre le truc, il est en mode... Allez, status, si je refais un check for update. Ah non, c'est bon, il m'a dit qu'il est à jour. Mais donc, il m'a mis à jour juste des packages, si j'ai bien compris. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'il a redémarré les services associés. Donc là, quelque part, je suis un peu embêté. C'est peut-être un défaut qu'on peut avoir sur OpenSense. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de comparaisons, puisqu'on n'a que deux firewalls à mettre à jour sur 4, entre guillemets. C'est que... hop, là, il me dit que c'est up to date. Donc là, bah, dans le doute, moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller sur... sur le dashboard. Non, je voudrais revenir sur le dashboard. Voilà, dashboard. Et puis, eh ben, on va rebooter. Parce que j'ai un doute. Il me dit quand même... Alors, est-ce que dans les logs, je peux le voir? Que les trucs ont été restartés. C'est une bonne question, tiens. Là, j'ai pas de log, mais ça doit être les logs. Pourtant, c'est système. Alors, je vais remonter un petit peu dans les commentaires quand même. AD, c'est très bien. C'est juste un LDAP. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et d'ailleurs, bienvenue à toi, Darkstack, merci pour ton premier message. Tu es peut-être un viewer de longue date, mais c'est gentil à toi de prendre la peine de papoter. Après, on peut ne pas aimer l'UI Microsoft, ce que tu comprends. Bonsoir, normalement je lurque. Pas de soucis. Tu peux continuer à lurquer, tu peux continuer à papoter. J'ai envie de dire, tant que tu es confortable, c'est le but. Avec des véhicules qui arrivent à l'heure ou pas? De toute façon, hein, c'est bien connu, dès que tu travailles dans les transports en commun, les utilisateurs sont toujours pas contents, t'arrives jamais à l'heure. Donc à partir de là, c'est toutes les entreprises, quoi. Et d'ailleurs, salut à toi aussi, Inxé, dans les logs. Donc, alors, est-ce qu'on peut voir des logs d'OpenSense? Je vais peut-être zoomer un petit peu. Ben non. Je cherche à zoomer l'interface OpenSense et c'est le chat qui se zoome. Tout va bien ce soir. Tout va bien, je vous dis.
Il n'y a qu'au Japon où les trains arrivent à l'heure. Elle est pas mal celle-là, Xavier. Magnifique. Elle est, franchement, elle est valide. Elle est valide. Service. Non, là, il n'y a rien. Je vais revenir sur système. Firmware. Non, j'ai rien du tout. C'est chelou cette affaire. Parce que là, de fait, il me dit que. Donc j'ai bien installé le truc, mais. Bon, les plugins, les packages, bon, bah ça. Ceci étant, voilà, à mon avis, il a nécessité, il a estimé qu'il n'y avait pas besoin de rebooter parce que le truc de base est toujours. Mais ouais, je clique sur logfile, j'ai rien. Alors à moins d'aller me connecter en SSH et essayer d'aller farfouiller dans Varlog, mais. Au niveau des services, si on regarde. Au niveau des services, j'ai rien de particulier. Ouais, donc ça, c'est vraiment la partie trafic. Packet système. Ah, on va peut-être trouver un truc là intéressant. Non, ça c'est juste les. Bon, NetFlow, on n'en a pas. Là, on n'a pas de reporting. Trafic DNS. Et qu'est-ce qu'on a au niveau du dashboard ici? Est-ce qu'on a des informations particulières? Non. Bon, ce que je vais faire, c'est que. Je vais faire un petit power. Je vais faire un reboot par précaution. Voilà. Oui, je reboot. Et je vais faire pareil pour le DinFi. Hop, power. On va le rebooter. Ah oui, dans les actualités, je vois ça parce que j'ai. Si tu doutes, reboot. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça le pixel. Ça sert à quoi d'InFi? Alors, Inxé, en fait, l'idée de ces streams en ce moment, c'est justement de jouer un peu au jeu des 7 erreurs, de voir qu'est-ce qu'il y a comme différence entre plusieurs projets de firewall open source qui sont PFSense, OpenSense, DinFi et IPFire. Je devrais dire IPFire. Et en fait, grosso modo, pour la faire simple, PFSense a repris le flambeau d'une ancienne distribution BSD qui visait à faire un firewall qui s'appelait Monowall, si tu en avais entendu parler. Et comme tu peux le voir, ça a quand même pas mal évolué depuis Monowall. Hop, dashboard sera là. Bah, c'est le dashboard. Voilà. Et Monowall sur lequel se basait FreeNAS. Oui, effectivement. Ensuite, il y a des gens qui ont décidé de forquer PFSense et qui l'ont appelé OpenSense. Alors, PFSense est backé par une entreprise, OpenSense est backé par une autre entreprise. Donc, de là à ce que ça ait joué sur la décision de forquer, voilà. Je vous laisserai aller vous faire votre avis en allant vous renseigner sur ça. Moi, je regarde juste d'un point de vue technique, en fait. Et dans l'immédiat, bon, pour l'instant, je ne vais pas dire que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, mais il n'y a pas 25 millions de différences. Surtout, principalement, j'ai l'impression que c'est surtout la question de version de logiciel et d'organisation de l'interface web. Et donc, de ce OpenSense, qui est donc un fork de PFSense, on arrive avec DinFi, qui est en fait un fork d'OpenSense,
Et ce fork-là est fait par une autre société. Ah bah tiens, oui, effectivement, le... hop, on va copier ça, le petit lien qui va bien. Je vais même aller le copier dans les liens du live du Discord. Hop, Discord, viens voir par là. Et ensuite, effectivement, on a eu, voilà, société française, effectivement, c'est aussi ce qui fait que on s'y intéresse. Et d'ailleurs, merci Nidouille, parce que c'est grâce à toi que j'avais entendu parler de DeFi, et aussi en lisant un peu sur Linux Affaires. Et ensuite, le quatrième, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle IPFire, et en fait, peut-être que parmi vous, certaines ou certains, ont connu une époque où il y avait une distribution Linux qui s'appelait IPCOP et qui était Oui, alors j'ai mon nom sur une news, mais parce que j'ai retouché pour genre trois pauvres coquilles, hein. J'ai pas été creusé vraiment dans le produit, hein, Nidouille. C'est ça, Xavier, le bon vieux IPCOP, et en fait IPFire, et en fait quelque part la continuation de ce projet IPCOP, qui bien entendu aujourd'hui n'existe plus, mais en fait IPFire reprend là où ça s'était arrêté, entre guillemets, et contient, entre guillemets, les mêmes, j'ai envie de dire, les mêmes fonctionnements. Si je vais au niveau network et que je fais zone configuration, vous remarquerez que j'ai une interface dite RED, qui est donc l'interface, entre guillemets, en face d'Internet, et une interface dite green, qui est l'interface du réseau local. Il existe d'autres systèmes d'exploitation qui peuvent être utilisés comme firewall. Je vais pas vouloir être complètement exhaustif, mais généralement, quand on veut utiliser une distribution Linux ou BSD avec une interface web pour justement ne pas avoir à acheter un mince, c'était quoi qui avait été mentionné tout à l'heure? Storm Shield, je crois. Et c'est des Français en plus, si je me rappelais bien, Storm Shield. Donc il y a Storm Shield, Fortinet, Checkpoint, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juniper aussi, je crois, fait du firewall, en plus du routeur et du switch. Sophos, voilà, enfin voilà, il y en a 13 à la douzaine des sociétés qui vont vous proposer des boîtiers, soit des boîtiers côté UTM, c'est-à-dire... des boîtiers où en fait c'est plutôt pour l'environnement qu'on pourrait appeler SOHO, où vous allez avoir entre guillemets un petit boîtier que vous mettez dans des bureaux par exemple. Je savais pas du tout que Storm Shield se basait sur du pfSense. J'avais cru comprendre que c'était la fusion de Netask et de Arkun, je crois. Mais par contre, si jamais... ah oui, SonicWall aussi, effectivement, merci Xavier. Mine de rien, il y en a un des fabricants de Firewall. Cisco, d'ailleurs, aussi. J'ai envie de dire, ça fait partie des gros du secteur. Mais par contre, si jamais l'interface web... Ne vous comment dire si l'interface web n'est pas indispensable. Sachez qu'il y a aussi un autre système d'exploitation que je trouve assez sympa et que les habitués de la chaîne connaissent, c'est VIOS. VIOS vous propose un produit de type routeur, alors distribution Linux orienté routage et firewall et en plus, c'est quand même, je trouve, assez bien automatisable. Alors, clairement, c'est la suite de Netask et il y a du BSD sous le capot, mais j'ai pas le détail de leur soupe. Et Ludolpif qui, pour troller, rajoute Windows Server. Je crois qu'il y avait des offres, effectivement. Tu avais des trucs de Microsoft, notamment pour faire du proxy, du reverse proxy.
Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait eu des propositions de la part de Microsoft, effectivement, pour utiliser leur Windows Server en firewall. Mais disons que la dernière fois que j'ai vu des gens utiliser un Windows Server pour faire un routeur NAT, ils se sont mangés une vulnérabilité à la con, qui faisait rebooter leur machine. Je sais pas si vous avez connu ça. Peut-être les plus anciennes et les plus anciens connaissent peut-être les failles. C'était quoi? C'était les failles Elsass, si je me rappelle bien, avec un verre qui s'appelait Blaster, si je me rappelle bien. Et en gros, le truc était relativement gentil parce que dès qu'il exploitait la vulnérabilité, il faisait redémarrer le PC. Parce qu'en gros, lorsqu'il exploitait la vulnérabilité, son truc c'était de lancer un redémarrage. Ce qui était finalement, avec le recul, très gentil. Parce que quand on voit ce qui s'est passé avec les premières vagues de ransomware, ça aurait pu nous arriver dès le début des années 2000, en fait, ce truc. Alors, c'est du PFN ce qui est fait par une boîte en Pologne. Ouais, Polska. Perso, je ne connaissais pas, mais si c'est basé sur Debian, c'est forcément bien. Ah oui, effectivement, VaiOS c'est basé sur Debian. Et tu aimerais bien le tester, VaiOS. Bah écoute, Xavier, tu peux télécharger une ISO en rolling release, te l'installer dans une VM. Je pense que tu fais partie des meubles sur la chaîne. Je pense que tu dois savoir te débrouiller sans problème. VaiOS, ça pique au début, c'est que de la cli. Oui, c'est que de la cli, je tiens. Oui, c'est une bonne idée de le préciser. C'est que de la cli, mais c'est une cli qui n'est pas sans rappeler la syntaxe Juniper. Et elle est plutôt bien faite. Donc c'est pas apprendre la cli iOS, je trouve que c'est pas un mauvais plan. Le ransomware existait avant l'émergence de la crypto. Effectivement, Inxé, maintenant que tu le dis, c'est probablement pour ça que les gens à l'époque n'avaient pas pensé à faire du rançongiciel. C'est peut-être à cause des problématiques d'anonymat et d'aller se créer un compte dans des pays peu regardants. Parce que j'imagine que se faire des comptes anonymes, je sais pas si c'est. Enfin, un compte bancaire anonyme, je sais pas si c'est possible dans un seul pays du monde. Pourtant, les ransomware n'utilisent rien de récent, genre AES 256 suffit. Alors, Ludolpif, non, c'est pas une question de crypto. Enfin, à moins que je me trompe, hein, mais je pense qu'en fait, ce qui fait que les ransomware ont été populaires, c'est les crypto-monnaies et pas le fait de chiffrer. Voilà. Exactement, puisque tu peux créer un wallet de crypto-monnaie sans avoir à donner ton identité ou quoi que ce soit. Les ransomware existent depuis la fin des années 80. Ah tiens, c'est intéressant ça, Darkstack. Je sais pas d'où tu tiens ça, mais c'est instructif. Et je me demande, alors comment ils faisaient, les gens me disaient, laisser une valise de cash à un tel endroit. Bref, toujours est-il que, bon, globalement, on a passé les mises à jour. Alors, c'est pas forcément un truc que j'avais prévu d'étudier, entre guillemets, ce soir. Mais c'est quand même intéressant et de voir que c'est peut-être une amélioration qui pourrait être faite sur les interfaces de ces logiciels de firewall, qui est de préciser quand il y a juste des packages, est-ce que les services concernés sont redémarrés ou pas. Je devrais pas le dire, mais j'ai chiffré les débuts des MP3 d'un pote en VB6 en étant ado. Mais je n'ai pas demandé de rançon, c'était un prank. Le prévu s'appelait aide et demander de virer de l'argent dans un paradis fiscal. Ah, ben voilà, dans un paradis fiscal, ok. Ouais, mais de fait, enfin, un paradis fiscal, c'est une chose, mais si le paradis fiscal demande quand même.
enfin, des informations d'identité. Je ne sais pas du tout, hein, je ne me suis pas renseigné, mais finalement, le fait de virer l'argent sur un compte dans un pays, quel qu'il soit, finalement, là n'est pas le problème. Le problème, c'est ensuite de pouvoir masquer à qui appartient ce compte. Parce que si on le sait, si on arrive à savoir à qui appartient ce compte, on peut dans ce cas-là, enfin, on peut retrouver une certaine personne. Ça a été la jungle pendant 40 ans, les enquêtes judiciaires bancaires à l'étranger. Sous un nom de société anonyme, compte anonyme. Ah d'accord, donc ça a été possible. Ça a été possible de faire des comptes sous couvert d'anonymat. Pardon pour le bruit, si vous avez entendu le de refermer. C'est toujours possible. Oula, t'as l'air bien informé, Darkstack. Il y a encore des sociétés qui ne font que ça. Ah, peut-être de l'optimisation fiscale dans ce cas-là. Bref, un truc que je voudrais tester. Ouais, la bonne gourde des familles. Une petite gourde assez sympa pour garder l'eau au frais. Ouais, pas de soucis, Nidouille. Un bon début de stream. Et puis on va probablement passer te voir quand on aura fini. Merci beaucoup. Tiens, je vais d'ailleurs en profiter pour faire un petit shootout justement à notre Nidouille adorée. Hop. Comme ça, je vous invite à poser vos follow et ou alors à la limite, attendez le début de son live avant de faire les follow. Comme ça lui balancera plein de notifs, ce sera amusant. Et d'ailleurs, j'ai oublié aussi de faire un petit shootout à Fixoulab. S'il est encore là, dans quelques minutes, il faudra que je pense à lui faire un shootout. Ça fait partie des choses que j'aimerais aussi améliorer sur les streams. J'ai vu passer un projet, enfin un service de bot qui permet justement d'améliorer ça, de pouvoir quelque part, comment dire, prévoir à l'avance les shootouts et un certain nombre d'autres choses. Ce qui est, c'est chez qui que j'avais vu ça? J'ai vu ça chez Fichtre. Ah, j'ai mangé le nom. Oh, la honte. Je vais utiliser mon anti-sèche. Chez Inforea. Voilà. Chez Inforea, j'avais vu qu'il utilise un bot plutôt sympa. Mais j'ai oublié le nom, mais je crois que j'avais retweeté son truc. Faudra que je regarde dans mon historique de tweets. Parmi les choses que je voudrais voir ce soir, quand même, c'est. Alors, je vais vouloir me connecter. Hop. Sur cette machine là. Ah mais c'est parfait ça. On a une interface web. https://. 90 90. Hop. Alors ça c'est parce que j'ai installé une Fedora serveur à l'arrache et donc il m'a laissé Cockpit, qui est donc une interface web de gestion. Oh tiens, j'ai une notification de quelqu'un qui stream. Je me demande bien qui c'est. Donc forcément, certificat auto-signé. Voilà. Et si je fais ça. Ok, donc là. Hop, turn on. Ouais. Hop, et voilà. Admin. Tout va bien. Donc là, j'ai réussi à me connecter parce que globalement, tous les trois pare-feux, enfin les quatre pare-feux, pardon, sans aucun souci, sont en mode open bar en sortie. Ce que je voudrais faire deux choses. La première, c'est que je voudrais justement interdire en sortie. Ce port 90-90. Donc, alors ça c'était l'histoire de d'Infy. J'avais bien copié-collé sur le. Ouais, j'avais copié-collé sur le. Tac. Voilà. On va commencer par PFSense, puisque de toute façon, ma machine de bureau, là, la machine virtuelle, sort via le PFSense. Donc on va aller regarder dans le firewall. On va aller regarder du côté des rules.
Alors, qu'est-ce qu'il dit? No rules are currently defined for this interface. Toutes les connexions entrantes sont bloquées jusqu'à ce qu'il y ait des rules pass. Click the button. Alors, ah oui, là c'est du WAN. Là c'est du LAN. Et donc, on a quoi? IPv4 depuis le LAN net vers tout. Globalement, c'est open bar. Voilà. Globalement, c'est open bar. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une règle. Et on va dire que c'est un bloc. Dans un premier temps, on va désactiver la règle. Interface LAN IPv4 TCP. Ouais. On peut... Ouais, non, on va laisser TCP. Source LANnet. Hop. Destination. Destination, on va dire single host or alias. Voilà. Et on va lui mettre 192.168.122.122. Destination port. Alors on peut faire un range, mais moi je vais mettre un truc custom. Ah oui, c'est from to. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est. Voilà, 90-90. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je décide de mettre uniquement cette IP et uniquement ce port? C'est parce que depuis la VM, la VM bureautique, ça va me permettre de valider que, un, je n'ai plus accès à l'interface web donc cockpit. Par contre, si je reviens ici, vous voyez que j'ai pu me connecter en SSH. Et cette connexion SSH, moi, eh ben, je veux qu'elle reste disponible. L'idée, c'est juste de voir à quel point il peut être facile ou difficile de créer des règles de filtrage. Et on va loguer les paquets, tiens. Description, forbid, cockpit. Voilà. On a des options avancées, c'est cool. Ah, on peut filtrer par l'OS source, marrant. Je sais pas, il n'y aurait pas un truc genre Windows NT4. Oh tiens, d'ailleurs, en parlant de Windows, je sais pas si vous avez vu passer les actualités, mais il y a des gens qui ont réussi à faire du reverse engineering. Oui, c'est vrai, il y avait Amiga dans les trucs. Oh, Altéon. Oh là là, Altéon, les souvenirs. Amiga OS, AOL, AOL Webcache, BIOS. Je sais pas ce que c'est Axis. Mais oui, donc, en parlant de Windows, je sais pas si vous avez vu passer, mais il y a un projet, il y a des gens, ils ont réussi à faire du reverse engineering de l'algorithme d'activation de Windows XP. Et par conséquent, de Windows 2003 Server, au passage. Ce qui veut dire que même si Microsoft a coupé les serveurs d'activation de Windows XP, si vous avez une licence valide, si vous avez une licence valide de Windows XP, vous pouvez quand même réinstaller la machine et l'activer. Vous pouvez réinstaller l'OS et l'activer. Donc ça, c'est cool. Salut Simply Kenshin, bienvenue à toi. Et merci d'ailleurs pour les deux qui ont précisé que Axis, c'était des caméras. Ok. J'ai vu DevOps dans le titre, j'aimerais savoir ce que se fait un DevOps vu que tu es une école d'ingé et tu es perdu. Alors, c'est une excellente question. Je vais d'abord finir d'appliquer ma règle de filtrage et je te réponds. Bon, il y a des trucs. Qu'est-ce qu'on a? Allo IP option, d'accord. Ah, il y a quand même du truc genre un maximum de connexion, du timeout. Ah, on peut vraiment... Et ça, ah oui, PFSync, c'est intéressant. Si jamais on faisait de la haute dispo, on pourrait synchroniser les états de règles de firewall. Ça, c'est cool. Bon, eh bien, on va faire save. Hop, voilà, on apply. Alors, pour l'instant, la règle est désactivée, mais je vais l'activer dans un instant. Mais avant de l'activer, je vais répondre... je vais répondre à Simply Kenshin. Alors, en fait, l'idée,
L'idée derrière le titre DevOps, en tout cas moi de ce que j'en ai compris, c'est de faire se rejoindre et de faire collaborer ensemble deux mondes qui peuvent sembler un peu entre guillemets opposés. oui, ça, c'est un peu ça, une méthodo, mais. Mais en gros, l'idée, c'est de faire se rejoindre ce qu'on appelle l'opérationnel, l'administration système et réseau, et le développement. D'où le fait qu'on vient prendre dev de développement et opérationnel, les opérationnels, les ops, et qu'on met, on met les deux mots ensemble. Et qu'est-ce que ça vient faire en pratique? Eh bien, ça, c'est censé se faire, c'est censé que les développeurs vont être un peu plus impliqués sur des sujets opérationnels. Ils vont être, par exemple, un peu plus responsables des mises en production et des problématiques opérationnelles des applications qu'ils créent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir dans mon expérience. Et du côté des opérationnels, eh ben, c'est d'aller utiliser des outils et des méthodes dites de développement. En particulier grâce aux outils d'infrastructure, puisque on en vient de plus en plus aujourd'hui à faire ce qu'on appelle de l'infrastructure as code, avec des outils bah, justement comme Terraform, comme Ansible ou d'autres outils comparables ou complémentaires. De plus en plus aujourd'hui, moi ça fait grosso modo plus de, on va dire plus de 5 ans maintenant, que... j'ai envie de dire, l'essentiel de mes productions vont se faire dans des dépôts de code source. Alors que pourtant, je suis un administrateur système et réseau à la base. Mais du fait de ce fonctionnement, de vouloir faire ce qu'on appelle aussi d'ailleurs du GitOps, par exemple, eh ben, on en vient à utiliser effectivement bah, des outils de développement, c'est-à-dire des gestionnaires de suivi de version. On en vient à utiliser de l'intégration continue, qui sont des outils à la base pensés pour des développeurs. Donc ça revient un peu à ce que disait Darkstack sur la méthode de travail. J'espère que j'ai bien répondu à ta question Simply Kenshin et que c'est un peu plus clair pour toi. Alors, maintenant qu'on a... pour la nouvelle roule, l'étoile dans la colonne port, ça sent pas bon pour ta connexion SSH. Oui, effectivement, j'ai dû louper le truc. On va revérifier ça. Bien vu Loupixel. Effectivement, il ne m'a pas mis any. Alors, il faut que j'aille mettre other. Hop, et là, je peux mettre 90-90. On va pouvoir aller faire save. Franchement, œil de lynx, hein, Loupixel. Allez, hop, apply. Ok. Ça a été notamment favorisé avec les méthodologies Scrum et autres méthodes agiles. Still not good. Effectivement. Effectivement. C'est moche. Comment ça se fait? Pourquoi il me le... destination. Ok, single host or alias. Tac. From any to other 90-90. C'est quoi cette blague? Pas un src tout dst? Non, j'ai mis from any. Destination port range. Ah, mais destination port range, ok. Donc en fait, je mets bien. Ah, je mets other ici et ok, d'accord. Ouais, ok, hop. Allez, on va dire que je suis fatigué. Voilà, là on a le 90-90. C'est un range, pas un src tout dst. Effectivement. Bon, bah maintenant on va cocher ici et on va le passer. Ah non, faut que je clique ici pour l'activer. Hop, et j'applique. Non. Non, c'est pas ça. Voilà.
Non, ce que je veux, c'est le... Ah, mais d'accord. Oui, c'est un bloc. Voilà, trafic est bloqué. J'applique. Parce que sinon, il était... Ok, donc là, maintenant, le trafic est bloqué. Le trafic est bloqué. Donc là, si je viens ici et que je rafraîchis, normalement, là, on peut voir en haut à droite que ça se met à... Ça se met à mouliner sans succès. Et ma connexion SSH est toujours OK. Et si jamais je fais un petit sudo moins pain, hop, et grep 90 90, voilà, j'ai toujours mon cockpit qui est là. Donc il est toujours là, je ne l'ai pas coupé. C'est juste que au niveau firewalling, là on peut voir, ça se traîne. Alors, histoire d'être un petit peu plus comment dire, lisible, ce qu'on peut faire. Est-ce que j'ai un cœur là? Oui, j'ai un cœur là. Moins K, moins L au cas où. Hop, si je tente ça. Je sais plus si curl permet s'il y a une. S'il n'y a pas un timeout. Hop. Moins moins connect-timeout. Copier. Et on va lui donner 5 secondes. Je pense que ce sera très bien. Hop. Allez, voilà. Connection timeout. Alors normalement, voilà, il a fini par me dire au fait, ça ne passe pas. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on a eu des tentatives? On voit hein, 1 kilo. Si je clique dessus. Voilà. Ah non, establish, ça c'est le 22. Non, là j'ai rien. Je vois des states, mais je ne vois pas de... Document expired, try again. Oui, resend, vas-y. Hop, est-ce qu'on peut jeter un œil dans statut trafic graph? On va peut-être revenir dans le dashboard, non? Il part dans le statut d'ailleurs, le dashboard. Ouais, il est là. Un peu planqué le dashboard. Hein. C'est un des trucs qui m'embête avec PFSense en fait. C'est l'emplacement du dashboard dans le menu. Donc ça c'est les disques. Est-ce qu'on a... Capture PF info. Alors, est-ce qu'il peut me montrer qu'il a bloqué du trafic? Oui, il en a bloqué. Voilà. Il en a bloqué. Et il y avait un autre truc qui est PFTOP. Et view default, filter expression. Et ben DST host 192.168.122.122. Hop. Voilà. Destination, ok. Et si jamais je retente mon curl, est-ce qu'il y a moyen de faire un refresh là-dessus ou pas? Parce que là, ok, ouais, il a terminé. All. Sort by, on va dire edge. Non, on voit rien. J'avais pas logué pourtant. Si je retourne en firewall, règle, j'étais sur le côté LAN. Traffic is logged. Ok. Move. Ok. Ça c'est quoi? Disable. Supprimer. Éditer. Copier. Et là en haut, qu'est-ce qu'on a? Related status. Related settings. Related log entries. Voilà. Ah bah voilà. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a des règles, ça c'est cool.
Alors, par contre, j'aurais aimé juste avoir de l'IPv4. Parce que toutes les roulent en IPv6. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, pas aujourd'hui. WAN, WAN, LAN. Ouais. Bon. Je suis pas ultra emballé, hein, dans l'immédiat. Il y a un filtre. Alors, le filtre. Ah, bah oui, il y a un filtre là-haut. Ok, allons-y. Nickel. Source IP adresse destination. Allez, 192, 168, 122, 122. Hop. Et on a default rule. Dina. Ah oui, d'accord. Là, par contre, j'ai le forbid. Voilà. Je sais pas pourquoi celle-ci, c'est du bloc. Le 25 mai. Le 25 mai. Ah oui, effectivement. C'est probablement que ça bloquait parce qu'il avait des règles de blocage par défaut, genre, quand il y a une adresse IP au format RFC 1918 qui est du côté de l'interface WAN. C'est un truc qui est par défaut sur ces distribs-là. Et au début, quand on fait des tests comme ça et qu'on a de part et d'autre des IP privés, généralement on se dit ah bah le firewall il est trop. C'est ça exactement, les IP privés sont bloqués. Mais donc là on a bien Forbid Cockpit. Voilà, donc ça c'est cool. Maintenant on va faire la même, mais sur OpenSense. Alors, 168 1.2. Donc ce que je fais, c'est que déjà. Je vais commencer par revenir ici et 192 168.1.2. J'ai plus les hyperroutes. Sérieux? Comment j'avais. Ah non, c'est que je l'avais changé en interface graphique. Me connecter. Hop, ici. On peut voir que ma route par défaut est là. IPv4. Hop, et je passe la gateway à 1.2. Appliquer. Donc là, normalement, si je fais un petit IPR, je suis passé avec la 1.2. Donc là, normalement, si je relance mon curl, voilà, là, ça passe. Et on va refaire la même avec OpenSense. Donc, firewall, rules, on va passer par le LAN. Et on fait ici ajouter. Donc, ce sera une rule pour bloquer. Pareil au début, on va la désactiver. LAN direction out IPv4 protocole TCP source ENI source LAN net. Voilà. Destination. Alors, est-ce qu'on peut. Alors, single host or network. 192, 168. J'ai dit 122.122. Et alors là, je crois qu'il faut bien préciser. Slash 32. Destination. Et là, on peut mettre other. Et on va lui dire 90, 90. Loguer les paquets. Catégorie, description. Ben, on va faire pareil que l'autre. Hein. On va l'appeler Forbid Cockpit. Voilà. Donc pas de synchro. Ça, je suppose que c'est pareil. C'est pour les trucs de schedule, gateway. Ok. Bon, à mon avis, les. Ouais, on est grosso modo sur les mêmes. Sur les mêmes options. Hein. Je veux dire, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hop. Donc on applique. Voilà, c'est ça, c'est juste l'interface qui change. Salut Alain! J'espère que ça va, j'espère que t'as pas trop chaud. Moi, je vous avoue, je suis content d'avoir de l'eau fraîche à côté de moi.
Ok, donc maintenant on va pouvoir activer la règle. Voilà, on applique. Alors ça fait bizarre parce que si je reclique sur Disable, ah oui d'accord, la croix change de couleur. Ok. Très bien. Donc maintenant je relance mon petit curl. Il fait plutôt trop froid chez toi. Ah bon? Mais t'es où? Au cercle polaire? Ah tiens, ça marche encore. C'est quoi cette blague? Est-ce que il aurait pas T'es en Lozère. Parce que là, on a des rules qui sont automatiquement générées. Ah, je me suis trompé du. Je me suis trompé de sens, je suppose. Ouais. Hop. Allez, c'est in. Save. On applique. Voilà. Et là, normalement, ça devrait être OK. Non, toujours pas. J'utilise bien ça et c'est lui le firewall. Tiens, c'est étonnant. Ordre des règles. Oui, c'est probable Nesquik. Mais bizarrement, d'habitude, quand les rules sont en first match. Ah oui, elles sont en first match. Effectivement. Alors, donc, petite différence de l'interface. Si je reviens sur le PFSense et que je regarde au niveau du firewall et de ses règles, on peut voir que ici, par défaut, on n'a pas de. Non, sur le LAN, on n'a pas de truc du genre first match win. Alors que ici, on a bien à chaque fois un first match win. Donc il va falloir déplacer. On l'a sur. Parce que là, on ne le voit pas hein, sur PFSense. Il est probable qu'on puisse le paramétrer. Je peux y rééditer la règle. Elle est tout en haut de la liste. Bloc, pass, reject, disable, interface, protocole, source. Parce que là, sur les règles ici, je vois pas de. Mais par contre, ici, on voit bien le petit. Le petit éclair qui dit first match. Donc, je vais déplacer ma règle. Je sais pas trop comment je vais faire, mais move selected rules before this rule. Alors là, ce sera plutôt ici. Voilà. Et là, j'applique. Non, je me suis trompé. Voilà, là on a le timeout. Ok. Mais par contre, sur le PFSense. In, out, none, choose. Non, gateway, schedule, VLAN. Bon, ça c'est. State. Type. Je vois pas de haut en bas qui lit les règles PF. Alors, Nesquik, c'est quoi first match? Alors, en gros, le first match win, c'est que ta règle, enfin ton trafic, lorsqu'il passe dans les règles, dire first match win, c'est la première règle. Qui correspond à ton trafic, elle est appliquée. Et s'il y a d'autres règles derrière qui allaient venir et qui pouvaient concerner ce trafic, elles ne sont pas appliquées. Ça, c'est ce qu'on va trouver notamment bah justement sur IPTable. C'est le fonctionnement qu'on va utiliser. Le fonctionnement de PF, le fonctionnement de PF, alors, si tu dis same SPF sense, où est-ce que je. Ah oui, c'est que je l'ai mis avant, effectivement, je l'ai mis avant tout de suite. Je l'ai mis avant tout de suite. Ok.
Et alors, l'inverse, c'est donc le last match win, où tu viens d'abord, ton trafic, il va correspondre à une règle, mais on va quand même parcourir le reste. Et si jamais il y a une autre règle en bas, eh ben, le trafic est concerné par la dernière règle qui concerne ce trafic. Enfin, donc c'est la dernière règle qui concerne ce trafic qui est appliquée. Il y a deux boutons add, une pour set la roule en haut et l'autre pour set la roule en bas. Ah oui, il y a un add en haut et il y a un add en bas. Et j'ai cliqué sur le add en haut, sans doute de façon. Ok. Hop. Ok, très bien. Mais là, par contre, on a Move Selected Rules to End, Add. Ok. Ah bah tiens, là c'est écrit. Les règles sont évaluées sur un first match par défaut. Ça veut dire que si vous utilisez des rules de blocage, il faut attention, faire attention. Everything is not explicitly passed is blocked by default. Ok. Ça complique les choses, non? C'est plus logique de faire first match win. Alors, Alain, BSDPF est par défaut en last match win. Je pense qu'ils ont eu une raison de le faire. Mais c'est vrai que naturellement, on va penser à un first match win. Je pense que c'est pour ça que OpenSense est par défaut, et on le voit hein, sur les règles par défaut là, qui sont faites, en tout cas ces deux-là, elles sont en first match. Et si je regarde les règles générées automatiquement, elles ne le sont pas systématiquement. Donc ça doit pouvoir permettre, en jonglant avec les deux, de pouvoir affiner quelque part le filtrage. Mais oui, ça peut rendre les choses plus complexes. J'imagine que chez DinFi, ça va être le même topo. Si on va dans le firewall, qu'on va dans les rules, et qu'on va côté LAN, on a littéralement la même interface. Hein. Honnêtement, DinFi, j'ai l'impression que c'est plus une CSS pour OpenSense qu'autre chose. Hein. Franchement, l'interface, elle est. On a le même texte, littéralement. Je vais zoomer pour que vous voyez. Là, vous voyez, il y a écrit LAN rules are evaluated, machin, machin. Là, si je reviens ici et que je zoome, et que je. Attends, il est passé où le truc? Voilà, il est là. Je zoome encore. Voilà, il est toujours là. Et c'est littéralement le même texte. Hop. Par contre, tiens, j'ai l'habitude des firewall watchguard qui organisent automatiquement les règles. Ah tiens, ils organisent automatiquement les règles. Ok. Alors, je vais tout de suite d'ailleurs changer ma route par défaut. On va passer sur le DinFi. Apply. Pas de soucis, Inxé, reviens quand tu veux. Et si jamais tu veux voir la fin du live, bah, tu pourras regarder le replay. Allons-y. Si je vais changer donc normalement mon. Hop, voilà. Donc si je retente mon cœur, là, c'est revenu. Si je reviens ici et que je refais. Alors, hop, je vais dézoomer un peu. Je rezoome un petit peu quand même. Hop. On va faire ajouter. Hop. Ouais, je suis moins con. Alors, ouais. C'est un peu. C'est pas très lisible, je trouve. Interface, donc LAN, direction main. Hop. IPv4. Protocole ENI. Oh, je vais mettre TCP quand même. Source, bah, LAN net. D'ailleurs, question pour bloquer du trafic entrant, c'est pas mieux de le faire dans l'interface entrante que sur le LAN. Alors, Nesquik, je ne bloque pas du trafic entrant, là je bloque du trafic sortant.
Salut à toi Bilouret, j'espère que ça va. J'espère que t'as passé une bonne journée et que t'as pas trop chaud. Nesquik, le but ici n'est pas de. En fait, le but c'est juste d'avoir un trafic qui d'abord passe et ensuite on le bloque juste pour tester en fait la création d'une règle et de voir un peu comment ça se passe d'un firewall à l'autre. Bon, globalement, c'est pas énormément. Il n'y a pas énormément de complications, j'ai l'impression. Puis là, de toute façon, DinFi, c'est juste une CSS pour OpenSense. Donc globalement, j'ai un peu l'impression de faire deux fois la même chose. Tiens, d'ailleurs, là, j'ai au niveau des... Ah oui, hop, pareil, single host or network. Hop, et slash 32, destination port range. Ah, il y a un home, il y a un from ici, et un to qui sont en blanc sur blanc, j'ai l'impression. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, hein. Ok, mais dans la pratique, on le ferait sur le WAN, pas le LAN en sortant. Ça dépend. Ça dépend. Si tu veux bloquer seulement une machine de ton LAN, ça peut être intéressant de le faire sur l'interface LAN. Mais si tu veux le bloquer, si tu veux le bloquer pour tout le monde, bah effectivement peut-être que le faire sur le WAN, voire même le faire en floating, hein, c'est une autre possibilité aussi, hein. Comme dit Loupixel, ça dépend d'où le paquet vient. Mais là, après, c'est je bloque le trafic originaire d'une machine du LAN vers une machine du WAN. Parce que j'ai un service sur la machine du WAN, c'est juste pour l'exercice. Dans la pratique, si par exemple je voulais bloquer un service seulement pour certaines machines, par exemple, seules certaines machines du LAN, alors je pense que je le ferais côté LAN. Je le ferais côté LAN. Et effectivement, on peut avoir plus que deux interfaces. Loguer. Si on n'est pas allé voir les logs tout à l'heure, on pourra toujours jeter un œil après. Source OS, on s'en fiche. Bon, de toute façon, les options avancées sont littéralement les mêmes. Tiens, là par contre, non, franchement, j'ai l'impression que c'est plus une CSS buggée qu'autre chose parce que le from qui est en blanc et le to qui est en blanc sur blanc, là c'est. Pas de soucis, Nesquik. On est tous là pour découvrir. Allez, save. Save, elle est activée, sauf qu'on est toujours en first match, et comme je l'ai mise en dernier, normalement, bah, ça va encore passer. Donc on va quand même le vérifier pour le principe. Voilà, ça passe. Donc maintenant, il faut que je remonte mon truc. Donc il faut que je coche celle-ci, et je clique là, Move Selected Rule, bif, ah non. C'est je coche celle-là et je clique ici. Voilà. Et ensuite, j'applique à nouveau le changement. Et là maintenant, je reviens ici. Et là, au bout de 5 secondes, il va me dire, eh, au fait, bah en fait, ce que je suis en train de me poser, alors, honnêtement, je pense que vu l'heure, j'aurai pas le temps d'aller creuser le truc. Mais il y a un produit qui s'appelle DinFi Manager. Qui fait de la gestion centralisée. Et qui en plus gère les pfSense et les OpenSense en plus du DinFi Firewall. Ce que je me dis, c'est que je pense que ça doit être leur valeur ajoutée en fait. Et plutôt que, en fait, à mon avis, ça va être ça qui a justifié la création de l'entreprise. Et ensuite, ils se sont dit, ben, plutôt que de gérer des OpenSense et que des gens aient un contrat pour gérer le DinFi Manager et un contrat pour gérer l'OpenSense ou le pfSense,
Bah, autant que le client, il n'ait qu'un seul fournisseur et que le firewall soit brandé d'Inify. Je pense que en fait l'intérêt du DeFi, il n'est pas dans le cas d'une comment dire. Je pense pas qu'ils aient une volonté particulière de changer des choses dans OpenSense, puisque c'est de là qu'il fork. Mais c'est plus pour des questions de comment dire de comment dire d'avoir des clients comment dire d'avoir un seul fournisseur et de pas et genre de pas faire passe-plat pour la société qui est derrière PFSense ou OpenSense selon ce que le client ferait au niveau de DeFi. Mais par contre, le fait qu'il gère les deux, ça peut être intéressant parce que la société DeFi peut très bien aller voir des entreprises en leur disant, hey, vous avez du PFSense ou de l'OpenSense, et ben figurez-vous qu'on le gère aussi. Donc rien ne vous empêche de déployer le manager enfin avec notre produit, de déployer notre manager. Enfin, je me mets à la place d'un, on va dire, d'un commercial DeFi. Rien n'empêche de mettre ça, de gérer les PFSense et les OpenSense, et au fur et à mesure du déploiement, de pouvoir faire au fil de l'eau des migrations. Ah oui, non, mais je pense que c'est purement commercial. Mais c'est pas bête comme c'est pas bête comme concept. Je comprends pas pourquoi il y a une distinction entre les règles LAN et WAN. Pour moi, il suffit de mettre une source et une destination. Alors, je pense que ça peut être intéressant. C'est un débat intéressant, tiens. Est-ce qu'il y a besoin d'une distinction entre LAN et WAN? Je me demande si ça n'aurait pas un impact, le fait d'appliquer une règle uniquement sur une interface, si ça n'aurait pas un impact au niveau utilisation processeur en fait, et au niveau des interruptions. Puisque le trafic, alors le trafic au niveau des cartes réseau, il va peut-être être géré par différents cœurs ou différents threads. Impact sur peur sur routage des paquets. Ouais, probable. Avec deux NIC, pourquoi pas, mais avec 7, tu fais comment? C'est une bonne question. Mais je pense que oui, effectivement. J'avais vu, alors là par contre, ça sort carrément d'un autre domaine, mais j'avais vu passer une conférence. D'un gars qui lui avait mis en place le filtrage du paquet vraiment le plus proche possible de la carte réseau en allant utiliser vraiment des options. Je me demande si c'était pas des options de TH Tool ou un truc dans le genre ou des options de vraiment bas niveau limite noyau Linux pour aller bloquer du trafic ou autoriser du trafic et de fait. Ça déchargeait énormément le processeur. Donc je ne serais pas surpris que les implémentations de PF permettent ce genre de choses-là en disant bah, tu appliques du côté d'une interface et au niveau des interruptions, bah, c'est des threads particuliers qui sont chargés de ça. Enfin, peut-être des processus ou des threads. Ok, donc on a vu comment bloquer du trafic sur DeFi. Comment on va faire avec notre IPFire? Alors déjà d'une, je vais rechanger ma route par défaut. Hop. Apply. Voilà. Donc là, je vais sans doute refaire à nouveau. Voilà, ça passe. Firewall rules.
Alors, Fire Rules. New Rule. Alors déjà, il y a 0 Rules. Fire Rule Documentation. Ok. Bon, on va essayer de voir ça sans aller... Nouvelle règle. Source. Adresse. Ouais. Firewall. Alors, je fais green. Standard network. Green. Ok. Destination. Attends, protocole. Alors, destination. Donc, on va dire que ce serait red, si je comprends bien. Hein. 192, 168. Ah non, faut que je mette ici, destination adresse. Ok. 8.122.122. Standard net. Ok. Ah oui, parce que de fait, j'ai un. Ok. Protocole, donc on va rester sur du TCP, source port destination. Ah, là par contre, on a bien source dest en fait. Donc si je fais 90, 90. Si je mets rien, est-ce qu'il va mettre any? Loguer la roule et ajouter. Drop. Par contre, est-ce que j'ai un truc de type activer ou désactiver là? Edit, copy. Non, a priori, elle est. Ah si, apply change. Salut Pragma Cloud, bienvenue. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu n'as pas trop chaud. Donc là, normalement, maintenant, la règle, elle est activée. Donc si je retente ça. Voilà, là, je me fais bien. Alors, l'outil est beaucoup plus simple dans le cas d'IPFire, mais il est peut-être aussi un peu simpliste. Maintenant, si je veux voir les logs. Log summary. Ouais. Ça, ça va être les logs système. Firewall logs. Voilà. Ok. Drop. Destination, c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de filtrer? Ah, on les voit en bas. 90, 90. Ok. Bon, il cherche à potent. Donc on pourrait en plus avoir des trucs de géolocalisation. Forward FW, ok. Ok. Ok, c'est cool. Donc, bon, ça se fait relativement simplement dans l'ensemble. Hein. Dans l'ensemble. Un autre truc que j'aurais voulu voir, ce que je vous propose, c'est la sauvegarde et la restauration de config. Si on va dans le système et qu'on va... où est-ce qu'on pourrait vérifier où est-ce qu'on... System Advanced. Est-ce qu'il y a un truc qui me dit... console. Est-ce qu'il y a... J'ai pas vu un truc de type export. Peut-être pas dans les MISC. Non. Hop. C'est l'accès admin. Général setup. Est-ce qu'on a un truc sur PFSense? Tu crois que c'est dans diagnostic? On va aller revérifier ça. Authentification, backup et restore. Voilà, exactement. Bienvenue Nesquik. Backup. Donc on peut tout sauvegarder, sauf ou alors on peut sauvegarder uniquement certains trucs, ça c'est cool. Config history. Ah, ça c'est bien. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Donc on peut faire un diff entre ça et ça. Et si je clique sur diff... Ok. Donc ça, c'est assez classe. Et si je reviens sur le backup et la restauration, ne pas backuper les RRD data. Ok. Donc ça, par défaut, on backup pas les RRD. Les RRD, je sais pas si tout le monde a une idée de ce que c'est.
Extra data for some services. Ah. Portail captif, DHCP, ok. Sauvegarder les clés SSH. Ouais, pas con. Et on peut chiffrer le fichier de configuration. Restaurer un backup. C'est ça, c'est là, c'est ça, c'est les datas pour les graphiques. Et bien entendu, si on restaure. Alors tiens, on va télécharger le fichier de conf. Alors, je ne ferai peut-être pas un test de restauration. Mais. Hop, et on va l'ouvrir avec Text Editor. Hop. Ok. Et donc en gros, c'est du XML, hein. Ça. J'ai envie de dire, ça casse pas de trois pattes à un canard. Mais l'avantage, c'est que si c'est un fichier plat avec du texte dedans, c'est un truc qu'on peut versionner. Voilà, et en plus là, on a les clés, les certificats, enfin bref. Je m'en fiche parce que bon, c'est du test. Mais voilà, on peut même à la rigueur, je ne sais pas si c'est possible, mais dans l'absolu, rien n'empêche de générer à l'avance un fichier de configuration et de. Je sais plus, je crois que je l'avais déjà raconté dans un stream précédent, mais ça m'est arrivé de vouloir mettre en place deux firewalls au PNSense dans un même réseau. Je voulais faire de la haute dispo. Et en fait, pour installer le deuxième firewall, la première chose que j'ai faite, pour éviter de tout reconfigurer d'un coup, c'est j'ai exporté la conf du premier firewall et je suis allé éditer directement dans le fichier en disant, bon bah voilà, tu me remplaces tel IP par tel IP et ça m'a permis de gagner un peu de temps sur la config. Alors par contre, la question que je me pose, peut-être qu'ils ont des plugins pour ça. Je sais pas du tout s'il y a des plugins pour pouvoir exporter automatiquement les configurations régulièrement. Alors, tiens, là, on a un éditeur de fichiers en direct. Dans une boîte où tu as fait un bref passage, on faisait ça. Tout était en infra as code. PFSense, pas trop. Donc on chargeait des XML préalablement édités. Merci The Vengeur pour le petit retour d'expérience. C'est effectivement fort instructif. Il y a un comptable, je crois, de tête. En fait, moi, ce que je voudrais voir, c'est s'il n'y a pas un plugin qui permet de faire de l'export régulier. Notamment pour aller faire. Mince, comment ça s'appelle le truc? Il y a Rancid et Oxidize. Si je tape PFSense Oxidize. Voilà, oxidized. Hop. Donc ça se fait. Ça se fait. Voilà. Donc c'est assez sympa, oxidized. C'est un outil qui vous permet de faire de la centralisation dans un dépôt de code Git pour vos équipements en réseau. Notamment switch, router, firewall. Et a priori, PFSense est géré. Et je pense qu'en fait, il doit réclamer de pouvoir se connecter en SSH dessus et d'aller copier directement le fichier de configuration dans Services Auto Config Backup. Et dis donc, vous êtes au taquet, vous avez des firewalls installés vous aussi? Services, ah oui, Auto Config Backup. Hop. Et The Vengeur qui dit, oui, je suis toujours là, mais mon attention peut se porter sur Zelda. Il n'y a pas de souci, The Vengeur, c'est très gentil de temps en temps de montrer que tu es parmi nous. PFSense, c'est la base. Voilà, automatique configuration, tu peux les. Ok, et manuel backup. Ah oui, mais là, c'est. Ça, c'est pour les backups locaux, finalement. Ah non, il est auto. Et on voit. J'ai qu'à lire déjà, hein, quand même. Et donc, il envoie les fichiers, les sauvegardes chiffrées
Ah ben voilà, vers des serveurs de chez NetGate. Donc en fait, ce autoconfig backup, il est là si jamais vous avez pris un contrat de support chez NetGate, je suppose. Par contre, je sais pas si moi, ça me plairait de balancer la config de mes firewalls directement chez l'éditeur. Hein. Alors vous allez me dire, ouais, mais le backup, il est chiffré, ils ont pas la clé, le machin. On sait jamais. On sait jamais. Il y a des fois, il y a des sauvegardes, enfin il y a des chiffrements qui sont pas si chiffrés que ça. Hein. Ok. Ah et puis du coup il y aurait un. Ouais bah ouais, ça, il y a un. Int identifier, mais option. Ouais, je. Moi perso, peu importe, hein, PFSense ou PNSense, DinFi, IPFire, j'aurais tendance à vouloir mettre en place un oxidize sur mon réseau local et autoriser le oxidize à aller récupérer les. Bon, au PNSense, comme vous savez, j'ai déjà eu l'occasion d'en faire. Et si on va dans configuration et qu'on fait backup. Pareil, download configuration. Voilà. Tac. Pareil, c'est du XML. Hein. Forcément, c'est basé sur le même truc. C'est juste que ce n'est pas les mêmes messages. Et DinFi, eh ben, vu que c'est juste. Une CSS. Pareil. On a les settings, l'écran. Firewall config. Backup. Et on peut télécharger la conf. Voilà. D'ailleurs, ce serait limite très drôle de prendre un backup d'InFi et d'aller l'importer sur un OpenSense. Ce serait assez comique. Je sais pas, backup la VM direct, beaucoup plus rapide à remonter. C'est pas bête, Nesquik. C'est pas bête. Effectivement, dans le cadre d'un disaster recovery, je trouve ça très pertinent. C'est genre, tu fais un backup tous les jours. Mais le fait d'avoir un truc comme Oxidized, en fait, ça te permet quand même un avantage, c'est que tu vas avoir un. Comment dire bah, tu vas avoir exactement ce qu'il mettait là tout à l'heure dans PFSense quand on regardait les configs. Je sais plus où est-ce qu'on l'avait vu. Dans Backup et Restore, voilà, dans Config History, ça permet voilà, d'avoir ce genre de choses-là, de pouvoir vérifier en fait, et d'avoir de la traçabilité sur. Parce que bon, là il y a écrit admin à chaque fois, mais quand tu es dans une organisation avec plusieurs personnes, idéalement tu vas avoir des comptes nominatifs, j'ai dit idéalement, et tu vas pouvoir en fait faire une vérification de qui a fait telle modif. PFSense sauvegardé automatiquement son. Ah bah dis donc. Vous êtes au taquet. Merci Loupixel. Hop. Sauvegarder automatiquement son firewall avec un script. Bon bah voilà. User manager. Sauvegarde automatique. PFSense. Oui, non, mais voilà, c'est un classique, ça, c'est ouais, c'est les privilèges. On va pas aller regarder dedans, mais globalement, il y a la même chose chez OpenSense. Et ensuite, effectivement, là, on met les. Je pense que le script est pas loin de ce qui est utilisé par à côté des comment dire des plugins Oxidized ou Rancid d'ailleurs. Question innocente maintenant, est-ce que IPFire gère l'export de conf? Merci pour Oxidized, tu connaissais pas. Ah oh bah je t'en prie. Je t'en prie. C'est vachement pratique. Et alors un truc qui est assez sympa,
Si jamais tu as déjà des outils de ce genre en place, Oxidized et Rancid peuvent parfois être interfacés avec deux logiciels fort sympathiques. Le premier s'appelle Observium. Observium, qui est un outil de supervision réseau. Et si les habitués de la chaîne se disent, tiens, j'ai comme une impression de déjà vu avec cette interface Observium, c'est qu'en fait, j'avais installé pendant un temps dans l'ancienne version du Home Lab un fork d'Observium qui s'appelle LibreNMS. Et LibreNMS, voilà, l'interface est quand même assez proche. Et LibreNMS possède en fait un plugin Oxidized qui permet justement dans l'interface de LibreNMS de pouvoir voir en fait, de pouvoir regarder des exports de configuration d'équipements réseau et notamment de firewall OpenSense ou autre. Hein, voili, voilou. Tac. Hop. Alors, est-ce qu'on peut faire de la sauvegarde de conf avec IPFire? On va espérer que oui, hein. Là, on a quoi? On a les logs. Donc là, c'est Packfire, ça c'est le truc pour les mises à jour. On va faire l'option. Nanana, nanana. IP table. Ah, on peut balancer carrément. Ah non, d'accord, il a un. Ok. De la même façon qu'il y a un PF top, on a le truc IP table. On peut. Ok. C'est cool. IP adresse blocklist. Ah, c'est cool ça. Oh punaise! Ah, c'est sympa ça. Paf. Comme ça, on peut tout de suite bloquer des adresses en sortie et dire voilà, on bloque Shodan, on bloque Tor, on bloque des IP qui sont connues des listes, voilà, les listes d'anti-spammers, Spamao, ces trucs comme ça. C'est pas bête. C'est pas bête. IPsec, Quality, Extra HD, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord, c'est pour faire des montages de disques en plus. Ok. Nanana, Update Accelerator, DHCP Server, Captive Portal, nanana. Non. Status Système. Ok, Hardware Graph, ok. Système. Tac, 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 Backup. Bon, bah voilà, en fait, je suis parti de la droite, mais il fallait partir de la gauche. Inclus les fichiers de log, exclut, générer une ISO. Ah! Alors, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant, justement, quand on veut faire du disaster recovery d'un firewall matériel. Le truc génère carrément une ISO pour réinstaller son firewall à l'identique. C'est pas mal, ça. Alors, si je clique dessus, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait un truc qui s'appelle IPF. Ouais, ok, c'est cool, il y a un backup. Mais maintenant, si je veux le télécharger, le backup. Ça, c'est quoi? Download. Et ça, c'est delete. Ok, cool. Allez, download. Alors, il fait 500 kilos par rapport au. Ah oui, tiens, d'ailleurs, en termes de taille, vous voyez, le backup de conf de PN16 faisait 13 kilos. Celui d'OPN en faisait 34. Et celui de DinFi en faisait 40. Tu l'aimes bien, cet IPFire. Alors, Xavier, en termes de perf, à mon avis, vu que. Pour l'anecdote, vu que IPFire est basé sur le noyau Linux, les drivers de virtualisation Virtio fonctionnent beaucoup mieux sous Linux que sous BSD. Et on s'était rendu compte lors des premiers streams que IPFire, en termes de perf, il explosait tout. Mais ça, pour moi, le generate ISO, pour moi, c'est vraiment un truc. C'est vraiment un, comment dire, comment dire, c'est pour moi une trace que effectivement IPFire est resté à une autre époque. Alors, donc j'ai bien DinFi, OpenSense, vous voyez, et puis le truc qui fait presque 600 kilos. Alors si je fais un file de j'ai zip compré. Ah, en plus,
Non seulement il fait 10 fois plus que les autres, mais en plus il est déjà compressé. Allons-y, cp-vp. Et on va l'appeler compressed.gz. Voilà. Gunzip.v, compressed, paf. Ensuite, file POSIX Star Archive, j'aurais pu m'en douter. Allez hop, nv.tar, tar xvf. Voilà. Et en fait, j'aurais dû faire un T au lieu d'un X. Et en fait, lui, il estime que en fait, le backup, c'est littéralement. Oula. Je vais faire un moins T, ce sera peut-être mieux. Hop, allez. Hop, on va refaire la même. Sauf qu'on va faire un T. Voilà. T pour tester, en fait. Hop. Et donc, ouais, en gros, c'est carrément une archive de file système. C'est une archive de file système. ETC group, ETC host, ETC httpd, bam bam, file-moi les... Ok. Alors tiens, on va peut-être hop, juste baisser un petit peu. Méthode bourrin. Oui, tout à fait, Nesquik. D'ailleurs, eh, en plus, hop, on s'embête pas la vie. ETC post WZ, ETC shadow, allez hop. Il y a des fichiers qui s'appellent .empty pour pouvoir sauvegarder même le etc/logrotype.d même s'il est vide. On a toutes les clés SSH bien entendu, etc/sysconfig, la totale, bam. Même le bash history de l'utilisateur root, hein. Comme ça, on est tranquille. Var cache, tac tac tac. DNS extra HD. Alors, var i, est-ce que le var log est pris? Non, je crois qu'on l'avait, on avait dit non, hein. On avait dit non, hein. Ouais, exclude log files. Donc, normalement, après var, depuis, il n'y a plus grand chose. Je suis. Ah, tu penses qu'il backup même les backups? Écoute, ce que je te propose, c'est que je vais faire un deuxième backup qui est include log file. On va cliquer là-dessus. Voilà. Donc j'en ai un deuxième. Et juste pour la blague, on va faire un generate ISO. On va voir combien de temps il prend. Hop. Et je pense qu'on s'arrêtera là ensuite. Alors déjà, pendant qu'il me génère l'ISO... est-ce que on peut cliquer sur télécharger sur le deuxième qui est en bas qui fait pas beaucoup plus en termes de taille. Pendant ce temps, moi je vais faire un petit rm-rf de. Je vais en faire un sudo de etc root srv et var. Il y a un dossier log quand même dans celui qui n'a pas les logs, lol. Alors, Ah oui, effectivement, il y avait juste... Ah mais c'était les RRD en fait, donc c'est pas des logs. C'est juste les RRD. Salut Dino, bah écoute, tu arrives sur la fin, là on termine un truc. Il m'a pas proposé de télécharger une ISO là? J'ai pas de message de... Ah, je pense que Dino, t'arrives sur le plus drôle, en fait. T'arrives sur le plus drôle, en fait, on testait les... Enfin, on essayait de voir un peu les différences donc, entre les différents firewalls. Et en fait, le plus drôle, c'est, bah, c'est IPFire, comme toujours. Hein. C'est que, en fait, les trois autres distribs firewall basés sur un peu toute la même chose, sur les BSD, en fait... Eux, ils ont un fichier de configuration principale au format XML que tu peux, qui est en fait utilisé comme base pour la configuration de tous les services. Et donc ça fait que bah, ton fichier de conf, il est quand même assez, assez léger. Si je peux te remontrer ici et que je fais un petit ls-hl,
tu peux voir que le fichier de configuration de PFSense fait 14 kg. Celui d'OpenSense, tu vois, il est énorme, il fait 35 kg. Alors celui de DinFi, tu vois, il est vraiment gigantesque, il fait 41 kg. Et en fait, chez IPFire, le fichier fait plus de 500 kg de base, sachant que on a juste posé une règle de firewall, hein, on n'a pas vraiment fait grand-chose de plus que les règles par défaut. Et la blague, c'est que ce fichier .ipf, c'est en fait une archive tar compressée gzip. Et tu vois que là, le compress.tar, en fait, il fait 28 mégas. Et en gros, le système de backup de IPFire, c'est un tar du... c'est une archive tar de slash etc, slash root, slash srv, slash var. Et bien entendu, il exclut potentiellement ou il inclut potentiellement les logs. Donc là, on a téléchargé notre le deuxième là. Donc si je tente à faire un tar tout de suite, si je fais un tar tvf directement de 2023. Ah, il aime pas. CP-VP. Allez. Donc le 20, tac. Et on va lui dire. On va appeler backup2.tgz, tiens. Hop, ça c'est bon. Et si je fais un tar tvf de backup2, pipeless, voilà. Donc, bien entendu, tc group, tc host, ça on a vu. Même les trucs ipsec, les clés ssh, le tc passw, le tc shadow, ça on a vu. On a même, ouais. Hop, etc6 config, la totale, srv, var, ipfire, ça on avait vu. Tac, 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 tac. Et normalement on devrait avoir un var log. Bon, on l'avait déjà, mais on va l'avoir. Et cette fois-ci, on devrait avoir. Hop, voilà. Var log vn stat, ça on l'avait déjà. Var log rrd, localhost, process. Ouais, en fait, il y a trois fois rien en plus. Ouais. Donc je remonte en fait. Donc il utilise collectd en local visiblement. Hop, var lib, var log. Ouais. Alors je vais pas faire un diff entre les deux archives, mais il n'y a pas grand chose hein, sans les logs et avec les logs. Bon, par contre, le generate iso, moi j'aimerais bien qu'il me. Non? Il n'a pas l'air de me bloquer quoi que ce soit. Pas de téléchargement. Ça n'a pas l'air de fonctionner des masses. C'est dommage parce que sur le principe, dans la liste ici, c'est good. Ah oui, effectivement. Effectivement. 380 mégas, dites donc. Hop. Voilà, je peux faire mon disaster recovery. Est-ce qu'on peut faire du portail captif avec IPFire? Excellente question. Je crois que oui. Je crois que oui. Tu peux le faire, mais de mémoire, tu peux le faire avec... Hop là. Voilà. Tu peux l'activer... Alors, en fait, il n'est pas activé par défaut sur les interfaces green, mais quand tu rajoutes une interface, je crois, une interface blue, c'est une interface exprès pour être utilisée avec le portail captif. Et donc là, tu peux même faire accepter des termes et conditions ou faire avec un coupon. Tiens, on va l'activer. On va dire termes et conditions. Et puis on va faire coucou, juste pour la blague. On va se mettre un joli violet. Hop. Oh non, on va se mettre un vert. Allez, on est sur another homepage. Hop, on va se mettre un vert. Voilà. Upload logo, non, j'ai pas envie, mais en gros, c'est... Bienvenue. Allez. Ici. Ici, c'est la fête. Bah alors. Ouais, ici, c'est la teuf. Allez. Tac. Voilà.
Maintenant qu'il est activé, la question que je me pose, c'est si je décide d'aller sur Internet, est-ce que ça passe? Nous respectons le RGPD. Alors déjà, je vais m'assurer que je suis toujours via cette interface-là. OK. Et si je tente d'aller sur, eh ben, voilà, linuxaffaires.org, c'est très bien. Alors je suspecte que comme je n'utilise pas les DNS de l'IPFire, c'est pas dit que ça marche. Ah, là j'ai rien. Je sais même pas si le truc a vraiment... Bon, je teste le truc à l'arrache à la dernière minute. Si on avait eu plus de temps, on aurait essayé d'activer genre tous les proxys sur les quatre firewalls, de voir les fonctionnalités de... Je pense que j'ai dû louper un truc, faut peut-être activer justement le proxy en plus ou... Disaster happened, bah ouais, voilà, exactement. Voilà, le disaster est arrivé, il va falloir que je prenne l'ISO et que je réinstalle la VM. Non, mais pour des firewalls physiques, l'image ISO de réinstallation, moi je trouve que c'est une excellente idée. Genre une fois par mois, prendre les images ISO sur tout un parc de firewall ou un seul et le coller dans un espace de sauvegarde. C'est ça, ouais, pour du physique, c'est cool. Parce que sur un... Alors, c'est pas ultra difficile, mais c'est vrai que finalement, sur un PFSense ou un OpenSense, s'il faut installer le truc... en le débranchant par exemple du réseau et ensuite reprendre le truc par défaut, se connecter dedans et lui injecter la conf, c'est des étapes en plus. Alors que là, a priori, avec l'image ISO prête à l'emploi, c'est pas mal. Si c'est comme PFSense, il faut sélectionner le réseau en question. Pourtant, je l'ai mis sur green. S'il faut le portail captif pour revert la conf, c'est un génie du mal qui a conçu le truc. Ouais, bah tu sais quoi là déjà, on va arrêter ça et puis je vais voir, tiens, si je... Ouais, ouais, resend, vas-y. Tac, je désactive, je fais save. Ok, hop, je reviens ici. Et j'ai Linux à faire. Ouf. Tout va bien, j'ai à nouveau accès à Linux à faire. Ça va être génial. Je suis content. Bien, 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 bien. Ah bah j'espère que vous avez bien, vous avez apprécié cette soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous. Ce qu'on peut en conclure, hein, pour cette histoire de firewall, c'est que globalement. À mon sens, hein, encore une fois, c'est uniquement quelque chose de personnel. PFSense, ça fonctionne. tu as suivi, c'était super. Je t'en prie, The Venger, ça me fait plaisir. PFSense, c'est sympa sans plus. Je suis... moyen fan de la web UI, enfin elle est utilisable, mais c'est peut-être parce que je m'en suis pas beaucoup servi par rapport à OpenSense, mais c'est pas que j'aime, oui voilà c'est ça Nesquik, je la trouve un peu bazar pour moi, le fait de devoir aller chercher le dashboard par exemple dans le truc de statut qui est au fond et qui est pas accessible ultra rapidement, alors que le dashboard c'est quand même le truc que tu sur lequel tu tombes dès le login. Ça pour moi par exemple c'est une erreur, mais je pinaille sans doute, mais sinon globalement c'est quand même utilisable, hein, on va pas se mentir, c'est pas mal, c'est pas mon préféré, mais honnêtement si on m'obligeait à utiliser ça je serais pas malheureux. Le dashboard il est sur le logo, mauvais exemple. Ouais. D'accord. Mais d'un point de vue
Après, c'est purement de la préférence subjective. Je préfère l'interface d'OpenSense. Mais encore une fois, hein, si je débarquais à un nouveau boulot demain et qu'on me disait tu dois manager une plateforme de PFSense, enfin une flotte de PFSense ou même le firewall principal c'est du PFSense, moi je dirais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce que j'aime bien aussi dans OpenSense par rapport à PFSense, c'est que il a l'air d'avoir des versions de FreeBSD plus à jour. On est sur du FreeBSD 13 avec OpenSense, là où PFSense c'est encore en FreeBSD 12, 12 et quelques. Mais après, j'ai pas regardé non plus la totalité des logiciels. Est-ce qu'ils utilisent forcément des trucs beaucoup plus récents sur OpenSense? Salut Maedra, bienvenue à toi. Tu arrives sur la fin? Tu arrives sur la fin, mais c'est pas grave. Tu pourras toujours regarder le replay plus tard. Et puis, globalement, d'InFi, c'est une version, enfin, c'est juste une CSS d'une ancienne version d'OpenSense, en fait. Alors, pour moi, Hypefire, il est hors compétition, Dino. Parce que très clairement, l'interface, elle est datée. Certains des concepts sont pour moi aujourd'hui plus d'actualité. Pour moi, l'histoire de mettre des interfaces avec des couleurs, en plus, par rapport aux autres, justement par rapport aux trois firewall BSD là, le truc c'est que une fois que tu as passé, allez, une fois que tu as passé le vert, le rouge, l'orange pour la DMZ, le bleu pour les réseaux invités, en fait, finalement, Hypefire se cantonne à un rôle de comment dire de passerelle d'accès. Tu peux sans doute vouloir utiliser des firewalls justement entre différents environnements et tu peux très bien avoir deux réseaux entre guillemets type green qui auraient des comment dire des droits qui sont pas tout à fait les mêmes. Genre, imagine, tu as dans une entreprise, tu as des gens qui sont techniques, qui ont des droits d'administration, qui seraient pas sur le même réseau que des gens qui seraient plutôt, on va dire, métiers. Ou type administratif, genre, je sais pas moi, la compta, les RH, seraient pas. Alors, on pourrait faire ça avec de l'ACL, effectivement. Mais parfois tu peux vouloir carrément les mettre sur des segments réseau différents avec des interfaces différentes. Et bien entendu un réseau Wi-Fi sur un troisième réseau qui aurait des droits lui aussi différents. Par exemple, t'as accès à rien tant que tu montes pas le VPN. Exemple. Donc pour moi, Hypefire. Alors si bien entendu, hein, alors pour Hypefire, je ne sais pas. En termes d'interface, zone configuration, je crois qu'il arrive à gérer les VLAN. Hein. Si, ouais, il gère les VLAN. Si, si, tu peux faire des VLAN avec Hypefire. Donc ça, à la limite, c'est pas un problème. Mais tu te retrouves limité en termes de zone, en fait. Et pour moi, les zones sont un peu trop, comment dire, c'est un peu trop, vraiment, ça marche comme ça et pas autrement. Faut vraiment être dans leur système. Définir un réseau par le code HTML de sa couleur, parce qu'il faut des nuances, ça va devenir relou. C'est un peu ça aussi. Ah oui, Dino, c'est clairement firewall pour la maison. Honnêtement, j'aurais un Hypefire en frontal chez moi. Bon, hormis le fait que ce serait sur une machine type x86, très, très certainement. Enfin, voilà, ça ferait le job. Ça ferait le job. Mais voilà, je trouve que les concepts sont aujourd'hui beaucoup trop datés et je pense qu'il faut les faire évoluer. Mais après, je pense que si la distribution existe toujours, c'est qu'il y a des gens pour qui ce genre de concept, ça fonctionne. Donc à la limite, s'il y a un besoin et qu'ils y répondent, bah écoute, je vais pas les empêcher d'exister, hein. Je vais pas leur reprocher non plus. Voili voilou pour, on va dire, pour cette conclusion
sur ces quelque part ce comparatif de Firewall. Je pense que vous aurez compris que mon préféré c'est OpenSense. Mais je pense que en fait on n'a pas vu quelque part ce qui fait comment dire, ce qui fait la valeur ajoutée de DeepFi, qui à mon avis n'est pas dans la distrib firewall, mais dans le manager de firewall. Je sais pas si je ferai un stream sur le manager de DeepFi. Dans l'immédiat, c'est pas prévu, mais on pourra peut-être envisager de le faire. De le faire cet été. Et tout à fait, Maedra, oui, tant que c'est stable, on le garde. Voilà, c'est ça. Tant que le truc est stable, tant qu'ils ne mettent pas 20 ans à corriger des vulnes si nécessaire, si ça marche pour vous, peu importe l'un des quatre que vous choisissez, je pense pas que vous ferez un mauvais choix. Voili, voilou. Je vous propose maintenant, eh ben, avant de filer, qu'on aille raider Nidouille. Mais avant. Parce que j'avais complètement zappé. On va faire le petit shootout pour Fixoulab. Hop. Qui a l'air d'être encore là. Alors Fixoulab, lui, son truc, c'est d'aller bidouiller des anciennes consoles de jeu. Tu allais me proposer Nidouille. Alors, pour le shootout, alors j'ai déjà fait un shootout à Nidouille plus tôt dans le stream. Et puis de toute façon, on va aller lui faire un raid. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup, Maedra. Oui, je l'avais même pas vu. Il y a 5 minutes que tu l'as fait. Et je t'ai même pas dit merci. Merci, Maedra, pour le follow. Merci bien. Avant d'aller raider Nidouille, je vais quand même préparer la fenêtre de raid. Hop, voilà. Globalement, je stream habituellement, pour les nouvelles et les nouveaux qui sont arrivés, je stream habituellement les jeudis de 20h à 22h. Et les dimanches de 18h à 20h. Je fais généralement un sujet le jeudi et un autre sujet le dimanche. Comme ça me permet d'alterner, même si je fais des sujets qui durent sur plusieurs épisodes. On va sans doute continuer nos bidouilles réseau dimanche avec un vieux switch Cisco. Je pense qu'on essaiera de faire justement, on essaiera de faire plusieurs VLAN et je voulais surtout faire de l'agrégat de ports avec le Home Lab. Par contre, je vous préviens tout de suite. Le stream de dimanche, il devrait être maintenu, normalement. Mais jeudi prochain et dimanche prochain, donc la semaine prochaine, les streams n'auront pas lieu. Pour cause d'astreinte. On en a notamment discuté sur le Discord. D'ailleurs, merci Maedra d'avoir utilisé le point d'exclamation Discord. Si jamais vous voulez discuter entre deux streams, donc vous pouvez utiliser le Discord et vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Vous pouvez faire point d'exclamation socials pour vous rendre sur anotherhomepage.org qui vous donnera la liste de tous les réseaux sociaux pour me contacter. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. On va aller voir Nidouille pour finir la soirée. Et je vous donne rendez-vous dimanche. Ciao, ciao!